Bonjour. 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 Ça va Stan? Ouais, nickel. En forme en ce moment? En pleine forme. Aujourd'hui, nous recevons le plus bel organe de France, vous permettez? The Voice, Xavier Demoulin. Quelle tessiture de voix vous avez, Xavier. Vous êtes un peu le Barry White français, sauf que vous êtes blanc, gaulé et que vous ne chantez pas. Mais vous partagez avec lui ce même pouvoir érotique. Et ce n'est pas Guillemette sur les réseaux sociaux qui me contredira. Je la cite, regardez ce qu'elle nous dit. Comment elle est trop sexe, la voix à Demoulin, tellement je la kiffe qu'il pourrait me lire un discours d'Alain Juppé que j'aurais un orgasme direct. C'est pas mal, non? Elle est drôle, Guillemette. Alors, Guillemette ne serait pas contre un petit 19-45 avec vous. Et c'est normal, la science en a atteste. D'après le chirurgien ORL Habitbol, l'écoute de 5 minutes de Xavier Demoulin par jour provoquerait une montée de toxines, l'hormone du désir. D'ocytocine. Je ne connais rien. Mais oui, mais la toxine, c'est la jalousie qui fait parler. Ouais, je sais. Pardon, excusez-moi. Enfin bref, vous êtes sexy, quoi. C'est dingue, cette histoire. Je sais pas, je... Oui, vous le découvrez. Je n'entends pas, moi, très bien. Non, c'est intéressant que votre voix déclenche de l'ocytocine. Voix grave, comme ça. Ah ouais, je trouve c'est super comme pouvoir. Bon, en tout cas, vous êtes un ASMR érotique à vous tout seul, Xavier. Et j'ai d'ailleurs moi-même fait cette expérience lors d'un rendez-vous amoureux que nous avions eu tous les deux. Ah bon? Souviens-toi, Xavier. Ah bon? Ah. Merci Xavier d'avoir proposé ce rendez-vous amoureux. Ça fait longtemps que je vous le propose. Ça fait depuis combien de temps déjà? Depuis toujours, depuis longtemps maintenant. C'est votre vraie voix ça? Elle est comment hein? À part, unique, singulière. Et vous avez toujours eu ce timbre de voix dès la naissance? Ça a toujours été comme ça. Waouh, excusez-moi, mais vous me donnez terriblement chaud. Et c'est un avantage d'avoir une voix pareille? C'est quelque chose de sacré. Et je suppose qu'avec les femmes, ça marche? Bah, j'en ai plein. Et comment vous expliquez que cette voix les émoustille? Vous savez, les femmes ont un truc pour ça. C'est... Vous me faites rire. En tout cas, Xavier, j'aime beaucoup l'endroit que vous avez choisi pour cette date. Une bibliothèque, c'est simple. Mais je voulais pas faire quelque chose de chichiteux. Ouh, même quand vous dites chichiteux, c'est redoutablement sexy. Redites-le encore. Chichiteux. Encore. Chichiteux. Ah, vas-y, encore. Chichiteux. Redis-le. Chichiteux. Bon, ça vous dérange pas si je vous allume? J'aime bien le style direct, ouais. Ouais, genre cash et tout, c'est le meilleur moyen d'aller dans votre lit. Personne m'attend. J'ai rendez-vous qu'avec mon imagination. Je vais te faire découvrir des choses que t'as jamais imaginées. J'adore ça. Ok, coupe, on a un truc à faire avec Xavier. Bye bye. Waouh! Ça vous revient? Ça me revient. Ça me revient pas du tout. Pas du tout. C'était quand? C'était il y a trop longtemps déjà, Xavier. D'accord. Et vous n'êtes pas qu'une voix. Il est sur tous les tableaux. Ouais. Bon, et donc? Faut multiplier les opportunités. Oui, bah ouais, je vois ça. Vous êtes aussi un corps, Xavier, façonné par la pratique intensive de l'équitation. Regardez ce qui va suivre. Xavier, nous aurions pu jouer dans Broadback Mountain. Vous aurez donné la réplique. On aurait retourné toutes les scènes de nu à l'infini. Et si ce rôle ne vous tente pas, sachez que vous pouvez aussi jouer dans un remake de Top Gun, puisque pour les besoins de votre magazine 66 minutes, en 2017, vous vous êtes envoyé en l'air avec la Patrouille de France. Oubliez Tom Cruise. Xavier Demoulin dans Top Gun, c'est maintenant. Bande annonce. Votre instructeur est l'un des meilleurs pilotes que cette école ait formé. Ses exploits sont légendaires. J'appelle à Gerda. Ce qu'il va vous enseigner pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. C'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. C'est quoi, 2 contre 1? C'est une blague. Mais c'était une expérience, de voler avec eux, ça a été un privilège énorme, mais une chance folle et une expérience vraiment incroyable, incroyable. Vous aux États-Unis en plus. Mais vous y retournez pas? Ah bah s'ils me réinvitent, j'irai avec plaisir, mais c'était un truc dingue, c'est dingue. On a peur avant, pendant, après? On a peur, très très peur avant, surtout quand ils vous disent, voilà, pour s'éjecter, il faut appuyer là, parce qu'il y a un risque hein, quand même. Ah non, cette phrase, c'est pas possible pour s'éjecter. Quand ils referment le casque, les 3 visières, et puis plus les cockpits sur le tarmac, en plein soleil aux États-Unis dans le désert, il fait très très chaud, et là vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Si j'appuie sur le bouton rouge, là... Sans faire exprès! Sans faire exprès, tout explose, on est hyper concentré. Et après, ils vous parlent,
Et puis après, c'est magique. On n'est pas claustro ? On est claustro, on est chaud. On a... Avant. Hein. Wow. Et puis après, c'est un émerveillement. Et après, ça tourne tellement que moi, j'ai dormi 48 heures après. Ah ouais, non, ça se coupe. Moi, j'ai des problèmes d'insomnie, je vais peut-être aller... Non, c'est incroyable. Et puis, c'est des gens extraordinaires. Ouais. C'est des gens mais qui sont... Avec un sang-froid. Un équilibre, une structure, franchement, fascinant. Un peu comme vous, quoi. Merci. Très équilibré. En tout cas, vous faites le dur à cuire, Xavier, dans l'avion. Mais vous avez quand même un cœur qui fond, surtout quand on parle de vos trois filles. Attention, c'est l'instant mignonnerie de cette chronique. Regardez ça. Sur vos réseaux, vous partagez des tendres moments d'intimité et de tendresse avec votre sainte trinité, hein, Tosca, Bianca et l'aînée Gaïalou, pour laquelle vous avez posté ce beau message d'anniversaire. Regardez. Je savais qu'un jour tu aurais 18 ans, mais j'ignorais que cela arriverait aussi vite. Embrasse la vie et embrase-la aussi parfois. Joyeux anniversaire, mon trésor. Bah ouais, mais c'est le seul amour qui va pas en diminuant, l'amour qu'on a pour ses enfants. Un jour, je connaîtrai ça. Qui sait ? Je vous le souhaite. Enfin. C'est pour bientôt, je voulais t'en parler. Voilà, sur ce, merci de listening to me, Xavier, et see you bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stan. À bientôt. Xavier, je remontre le dernier livre publié il y a quelques jours qui fait beaucoup parler, l'air de rien, ça se passe chez Flammarion, ça s'appelle Le petit chat est mort, c'est un récit autobiographique qui nous plonge, on le disait d'ailleurs dans les coulisses, dans un sujet universel, le deuil d'un animal, tout simplement. Vous, c'est le petit chat qui ne porte pas de prénom d'ailleurs, que vous ne vouliez pas au début, et dont la mort à 14 mois a bouleversé votre vie, celle de votre famille, celle de vos trois filles qu'on a vues, là, celle de votre épouse, bref, la vie de toute la maison. Et elle fait écho, je pense, cette histoire à des millions de Français qui ont effectivement connu le chagrin d'avoir perdu l'animal de leur vie. Alors si votre livre s'appelle Le petit chat est mort, c'est parce que pour c'est la première phrase d'ailleurs de ce roman. On ne va pas tout défleurer, vous nous connaissez ici dans l'émission, mais les premiers mots que vous utilisez pour annoncer la nouvelle à vos filles, je vous lis, c'est « Le petit chat est mort ». Les mots sont une détonation. Les choisir pour l'annoncer aux enfants n'a pas été chose facile. Alors je me suis résignée à faire simple. 5 mots et un point final. Court, cruel, monstrueux. Pourquoi faire ce choix-là, de leur annoncer comme ça, à ce moment-là? Ben en fait, ce livre, c'est aussi un exercice de vérité. Et en fait, être dans la vérité ou dans la clarté, c'est beaucoup plus simple par définition et c'est beaucoup plus essentiel, en fait. C'est ça que... Parce qu'avant, vous connaissiez ce livre aussi. Vous connaissiez pas cet exercice de la vérité? Non, je suis longtemps passé à Rome pour aller à Berlin. Vous voyez ce que je veux dire, l'expression? C'est-à-dire qu'en fait, on contourne, on est dans une espèce de trouble comme ça. Oui. Et je le suis encore parfois. Hein. C'est aussi l'expérience de cette aventure qui vous métamorphose. Avant, j'aimais pas les chats. Je suis passé dans la dimension chat. Et puis cet exercice-là de dire les choses très simplement. Finalement, la vérité, c'est dur de faire simple. Mais quand c'est là... C'est très dur de faire ça. Quand c'est là, c'est clair. Et quand c'est clair, c'est... On renoue avec la vie, quoi. Ah oui, moi, je trouve que vous n'avez pas si mal fait, parce que c'est la chose à faire, justement, quand on perd un animal et qu'on a toute une petite famille derrière soi. Il faut pas hésiter à nommer les choses et à les dire clairement. Alors,